Bonjour Johan. Bonjour Pascal. Et Jean-Luc de retour parmi Bonjour nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour messieurs. Il n'a pas volé depuis un an. Il est féroce depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à le tenir en fait. Ouais, hein? Si c'était que deux mois, on serait déjà parti. Ouais. Ah c'est fou ça quand même. La drogue, hein, c'est dur. Eh ouais. Bon, allez. On a assez dit de bêtises comme ça. Mais il faut bien en dire un petit peu. N'est-ce pas Jean-Luc qu'il faut dire des bêtises? Non, je laisse ça aux spécialistes. Voilà, c'est ça. Tu penses à personne en particulier là? Ah, pas du tout. Totalement anonyme hein, le truc. Alors, la caméra fonctionne. 3, 2, 1 pour l'audio. Le gap serait-elle rentrée? Tu crois? Voilà. L'audio est parti. Il est 13h05. Alors, pour la petite histoire, on devait aller à Caen. Tout était bien réglé. On avait obtenu la PPR. Tout ça. Mais finalement, la météo. Et donc, la PPR, c'est Comment t'as dit ce matin? Préparation. Non, je ne sais plus. C'est un truc request. C'est une autorisation préalable. Attends, il est indiqué quelque part sur le smartphone, ça tombe bien. Alors le bourrin, il doit penser à mettre la caméra. Alors attends, ça va se positionner plutôt par là. Prior permission required. Voilà. Je démarre. 1, 2, 3, c'est bon. Le sol, Fox Alpha Lima. Alpha Lima, le sol. On a un petit truc à vérifier, on va retourner au parking Paris Aéro. Reçu, possibilité de faire demi-tour d'où vous êtes? Ça devrait le faire avec cet avion. Ok. Ça c'est mieux, bla 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 bla. Un essai de... Bla 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 bla. Arme de montage. Allez souris Johan, t'es sur la vidéo là. Ah bah un peu ouais. On contrôle l'audio, c'est bon, ça sature pas, tout va bien. Lagny au sol du Fox Novembre Delta, point d'attente 26, dur, prêt. Novembre Delta, maintenez point d'attente, veillez la tour 118.6. On maintient point d'attente et on veille 118.6, Fox Novembre Delta. Alors, donc ce qu'il faut c'est que le GPS... Non. Dehors pour qu'elle... Ah. VFR service. Je savais bien qu'il y a un truc qui allait pas tout à l'heure. J'aurais pas pu dire quoi, mais il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Ah, ça va être bon. Ah,
demander à attacher ? Non, je vais m'attacher. Bon, attaché. Copie, attaché. Tel 1017, lors du coucher du soleil, 19h42 UTC. Au premier contact, confirmé information Foxtrot reçu, merci. Good afternoon, this is Land Information Foxtrot recorded at 1040 UTC. Runway news 26, caution bird hazard, wind 270 degrees Fahrenheit, visibility 10 km, temperature 26, Quebec November Hotel 1017, sunset at 19042 UTC. At first contact, please confirm information Foxtrot received, thank you. Le New Sol de Fox Golf, novembre à Lima, rebonjour. C'est novembre Alpha ou novembre Lima qui appelle le sol? Novembre Lima à la pompe. Rebonjour novembre Lima, transporteur 3723, roulez point d'attente 26 dur à plus près. 3723 sur le transpondeur, je roule 0826 et j'appelle près novembre Lima. Il y a la piste 26 en service, hein. Pascal? Oui, c'est ça, il a dit 26. Il m'a surpris d'ailleurs. Le sol de novembre Lima, c'est bien la piste 26 en service. La 26 en service, novembre Lima. Je tourne à gauche, novembre Lima, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau sur la carte, hein? Avant qu'on décolle, on va montrer un petit peu ça. Donc, on part de Logne, quelque part ici, de Rézoir. On va aller faire un tour du côté de Château-Thierry, devant de Châtillon. Le sol de Fox Québec Uniforme, bonjour. Ah, ce qui est par ici, donc on va passer au nord en fait. Québec Uniforme, le sol, bonjour. Fox Golf Golf Québec Uniforme, un DR400, parking Paris-Est, demande le roulage, une personne à bord demande le roulage pour les pompes. Québec Uniforme, roulez, quittez à la pompe. Je roule et je quitte à la pompe, Fox Québec Uniforme. Charleville-Mézières sud-est, donc en fait on va viser le temps que ça fait là. Ensuite à rouler par le nord, par l'est, par le nord. On va aller visiter un peu les petits reliefs que ça fait, et ensuite revenir pour une verticale et se poser. De retour, on verra tout à l'heure. Donc, alors Jean-Luc. Oui. Stratégiquement parlant, je propose que là, on le laisse en surface donc, là on va le mettre en dessous. Là si tu peux le descendre derrière. Derrière. Là, papa Johan, dis-toi. Là, là tu vois l'appareil photo. Je l'avance. Il va être pris, l'attrape, comme ça c'est bon. Là-dedans il y a le caméscope. Ouais. Mais je le sortirai quand on sera à 5 minutes de Charleville. Ah, tu me le diras quand ouais, je... Ok. Ou peut-être un RAS, je sais pas, je verrai. Je vais essayer de faire deux prises, mais alors non, on continue. Le Voltaire, bonjour. Fox Golf, Tango Tango Delta, le 150 à l'abri de personnes avec Fox, on est prêt à rouler pour un vol local. Tango Delta, 37-24, roulez pour l'attente, 26 dur, appelez prêt. 37-24, 26 dur, on roule rappel prêt, Tango Delta. Le sol de X-Ren Uniforme, piste 26 heures dégagée, donc là je parking tour. Roule et quitte, bravo de X-Ren Uniforme. Roule quitte, bravo de X-Ren Uniforme. Fox Hotel Papa, pour Langfell. Hotel Papa, le sol, bonjour. Après.
Bonjour, on se fait Alpha Pas, un DR400, deux personnes à bord sur le parking de l'Aigle pour des tours de piste avec l'information Foxtrot. Le papa enroulé pour l'attente 26 heures après prêt au départ. Ok, Hôtel Papa roule, point d'attente 26 jours et rappel avant le départ. Bon, ça c'est le Fox Golf Alpha, Hôtel Papa. Ça marche, ça fait. Autonomie, on a 4 heures d'autonomie. Ouais. Horizon artificiel, stable, 160, à peu près, à même pause de la... Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. C'est que bon et cohérent. 360. 1019, correct. On monte à gauche, pardon. L'équipe à gauche, ça monte. On monte à gauche, ça libre. Dans le bon sens. Compensateur sur neutre. Pur, attaché à gauche, attaché à droite, attaché derrière. On l'équipe sur on. On à gauche, à droite. Sortie. Et verrouillé. Ça en place, et tu pars en place. Pression d'huile, température dans le verre, pression d'essence dans le verre, batterie. Là, j'ai pris des. Le sol du Fox, voilà, donc aligné, je lirai cap. Chagol, bonjour. 263, je vais régler la distance 2200 tours minutes minimum. Route de séance 54 heures, montée initiale 70. Dans cette H, je rentre les volets et je cherche 80. Fox Alpha Golf, frôlez point d'attente, piste 26 heures, appelez prêt à départ. Alarme avant 54 heures, je rédige, je prenne, je sors. En cas de panne mineure, je prie adapté. À droite pour revenir sur la piste d'assiste. Romeo Uniforme Eco, bonjour. En cas de... Uniforme Eco, le seul bonjour. En cas de panne moteur, le PA28 au parking des Aiglons avec Fox, 4 personnes à bord pour un vol local. De finesse max, 318. Uniforme Eco, transfoleur 37-25, relais point d'attente 26 dur, rappelez prêt. 37-25, je roule point d'attente 26 dur, je rappelle prêt, Fox, Uniforme Eco. Première route, 152. Donc, je demanderai une verticale. Là on sort vers l'est en fait. Hein. Directement dans l'axe, on, on sort éco, on va dans l'est, on suit l'autoroute, on va vers Utella, tout ça, et ensuite on va vers. Très bien. Puis l'autoroute en fait. Je suis pris. Uniforme éco, vous laissez le passage à un cruiseur qui sort des pompes pour le point d'attente. Dans les 29, donc 30 degrés, c'est ce que j'avais calculé. Pour le point d'attente, on laissera passer, faut que c'est uniforme éco. L'on est au sol de novembre, Lima, point d'attente, 26 près au départ. Novembre Lima, maintenez point d'attente, veillez la tour 118-6. Je maintiens. Point d'attente, je veille la tour 118-6. Novembre Lima. Je vais lâcher au niveau de la radio. Voilà, Novembre Lima, la tour, bonjour. Niveau piste 26 dur, autorisé décollage, vent 350 degrés 5 nœuds. Bonjour monsieur, je m'aligne. 26 dur, autorisé décollage, Novembre Lima. Novembre Lima, un petit collationnement. Novembre Lima, je m'aligne 26 dur et autorise le décollage. Bonjour, pardon, pas avec le masque, c'est un peu compliqué. Voilà. Non. C'est la tour de Novembre Lima. Oui, 5. Merci, je décolle. Et puissance sur frein. Non, non. Donc, puissance disponible, 2200, c'est bon. Badin actif. Les instruments sont dans le vert, pas d'alarme. 49, tout est normal. Les pieds. Les. 49, 53, 55. Rotation. Ah là, le petit palier qui va bien. Ok. Dans Gros Delta, la tour, bonjour. Rallye vos pistes 26 dur, retour des décollages en 350 degrés 4 nœuds. Ça va, ça, on fait ligne. Non, des mots d'habitude. J'avais pensé à le faire et j'ai oublié. À 700, je rentre le volet.
Il est là. Ça fait un peu peur parce qu'il a sonné trop et il a un peu rebondi. Ah d'accord. Ouais, on a retouché je crois. Ouais. J'ai relâché un peu quand il a sonné, j'ai relâché un peu, il a recouché un. Ouais. Après t'as fait un palier à 1 mètre, 1 mètre 50 des sols, c'est zéro. Mec, ça va vite, hein. Et je pense qu'on a une composante avant d'intérieur, c'est pour ça qu'il nous a ralenti. Ah tu crois? Ouais. J'ai regardé tout à l'heure la manchère, elle était plutôt coque perpendiculaire et verticale. Bon ben la bonne nouvelle c'est qu'on a décollé donc maintenant tout va bien. Ouais, après là on est lourd, hein, c'est le maximum en record, ouais. Ça sera plus facile. Hein. Ouais. Ah, combien de litres de moins en retour? J'ai entendu dire que Jean-Luc avait repris 2 ou 3 kilos alors... Tu repas, bonjour, hein, 172 euros, 2 heures sans contact. Pas grossi, Johan, un petit peu quand même. Ah, j'ai reçu pour Fox Kilo Papa. Bon, donc on est mauvais. Ah, alors. Ouais, 2 heures à nautique 5 environ, 2-3 heures. On a visagé, nous, bah, donc on a l'information Fox, et ce serait pour une intégration par la verticale. Kilo Papa, rappelé à 30 secondes de verticale, 1200 pieds avec 37-30. En 30 on aimerait en fait reporter verticalement l'installation à 1400 pour un encadrement. Ah bah 1400, pas de soucis. Je sais pas si t'as vu de l'arrière, mais à un moment donné, merci, je me suis dit... Je t'ai entendu surtout. Ok, les instruments sont dans le vert. Ah là c'est bon, là je peux atteindre. Tout est bon. On a la vitesse, on a la vitesse. Bon, ouais, c'est Johan hein, qui pilote. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Pas PMB. Hein. Bon, alors. Bah, étudie un peu le log de nav quand ouais, même. Ouais, mais ça fait un peu peur. Même j'ai failli annuler le décollage quand il a retouché. Ah oui. Ouais. Parce que dès là, moi j'ai remarqué, il a pas pris le vitesse. On était à mi-piste. Normalement, à mi-piste, on devrait avoir la vitesse. J'ai remarqué, je veux dire, il a un peu de. En fait, c'était à 45 nœuds, il y a un moment, il a plafonné à 45 nœuds. Ouais, il est resté une seconde et demie à 45, il a hésité à monter. Alors, sur le log, on va donc au bord de Châtillon. Hôtel Papa La Tour, bonjour, niveau piste 26 dur, autorisé décollage. On est parti pour 20 minutes. Une petite composante arrière, 0,50 degrés, 4 nœuds. Ah, voilà, ça va. Enseigne, autorisé décollage 0,26 dur, Hôtel Papa. J'ai constaté la composante arrière importante, on va revenir également. Je ne l'ai pas entendu, là, ça va pas bien. Bon, je fais un petit coucou à mon ancienne maison. Ouais. Et gauche. Ouais. Pareil, un de mes frères habitait par là. L'est, il est passé au nord. Alors. Ah la 126 est affichée. Novembre Lima en sortie pour quitter la fréquence. Novembre Lima 7000 quitté à tout à l'heure. 7000 à tout à l'heure Novembre Lima, merci. On attend encore 2-3 minutes. Ouais. Parce que pour éviter les arrivées, ouais, mais oui. La petite ascendante. Ah, on voit le ballon de Disney là. Alpha Golf, La Tour, bonjour. Niveau piste 26 dur, autorisé décollage. Avec une petite composante arrière, 0,90, 3 nœuds, et c'est variable. Fox Alpha Golf, autorisé, on s'aligne et autorisé décollage. Est-ce qu'on pourrait avoir des bas-sauteurs, s'il vous plaît, Fox Alpha Golf? Affirme, rappelez les derniers virages bas-sauteurs de chaque évolution. On rappelle dernier virage bas-sauteur, Fox Alpha Golf. Bon, au passage, on salue les deux copains de Chavenay. Ouais. Jean-Pierre et...
Arc. Juste pour information, pour l'Alpha Golf, c'est 3 basses hauteurs, un complet, il n'y a plus de place là à la tour, hein, c'est correct? Il n'y a plus de place à la tour, parce que par contre, si vous voulez faire un changement de pilote, on a les pompes ou le parking gazonné. Ok, bah, ce sera pour on se garera aux pompes et ce sera pour un départ vol solo, une longue navigation 150 nautiques en solo supervisé. Fox, kilomètre 20, on arrive à 45 secondes de la verticale à 1430 pieds pour l'encadrement. Voilà, celui qui ne doit pas rappeler verticale avant de débuter, j'ai un Robin, milieu de traversier, tour de piste 1200 pieds. Fox, Kilo Papa, on a reçu pour l'info de trafic, on rappellera vertical avant de débuter. Hôtel Papa, trafic Robin approche à vertical pour un encadrement nord. Normalement, il ne devrait pas vous gêner. Uniforme Echo, la tour, bonjour, à niveau piste 26 dur, autorisé décollage, vent 130 degrés de nœud. Oh, salut, l'école 26 dur, Fox Uniforme Echo. Bonjour. Je passe par là. Non, je continue encore un peu. Ah, c'est un peu plus loin. Kilo Papa. Ça n'est pas encore arrivé, il est là. Pas encore visuel sur le rond en début de vent. Normalement, il y a 10 minutes de vol. Tu peux débuter, hein. Rappel courte 26 dur. On a débuté, on rappelle en courte 26 dur, Fox, s'il vous plaît. Hôtel Papa, devant vous, un encadrement débute. Félicitations, Hôtel Papa. Parfait. Fox Alpha Golf, dernier virage. Alpha Golf autorisé, toucher piste 26 dur, vent 290, 4 nœuds. Autorisé, toucher 26 dur. C'est cool en dessous, là, Jean-Luc, hein. C'est cool là-dessous, hein. C'est ouais, beau, ouais. Hein. Pour info, on a passé courant ferro 10. Ah oui, ça tu fais carrément bien, le... Ouais. Tango Delta 7000 quitté à tout à l'heure. Quitté à tout, Tango Delta 7000. Ah bah c'est bien, Yoann, ça va changer du... Ouais, de mon truc habituel. Hôtel Papa, avant arrière, 26 gazonné pour un toucher. Hôtel Papa numéro 1 pour la gazonnée, rappelez 20, final 26 gazonné. Rappel, final 26 gazonné numéro 1, Hôtel Papa. Alors moi, la carte, elle commence à la faire tes sous-joueurs en gros. Bon, Jean-Luc. Ouais. Jamais tu le vois qui se casse la gueule. Tu le relèves haut comme ça. D'accord. Bon ben Jean-Luc, t'es décrété navigateur aujourd'hui. Ouais, on va à Marseille, on arrive à la piste 26 dur, vent 290, 4 nœuds. Non. Non. Vous voulez arriver à destination. Courrier, on fait route vers Colombier, puis le et en guerre Montaigne, on met tout en voie. 70-17. 7-0, unité 7. En tout cas, en France, on a bien mis le plein. Uniforme Golf identifié. Et il fait meilleur d'un goût, hein. 24 degrés. Bravo Mike. Golf. Tu dis quand tu veux que je passe sur Bravo Mike, non, mais c'est 19-4. Au revoir. Paris Info de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, bonjour. Fox Golf, novembre Lima, ETR 400, 3 personnes à bord, en provenance de Logne à destination de Charleville, pour information de vol, s'il vous plaît. 70-11. 7-0, unité sur le transpondeur, novembre Lima. Bravo Mike, Nantes, 119-4, au revoir. Charlie Oscar identifié. Charlie Oscar. Pas que les arbres ils sont à la taille normale là, Jean-Luc. Ouais, là c'est des vrais là. C'est du bon, hein. Là, un petit château en boudin à droite. C'est marrant, mais là, tu vas le voir dépasser là. Ouais. Et là, il a une gueule de des modèles par défaut, tu sais. C'est vrai. Uniforme Yankee, Coulommiers, au revoir. Au revoir. Salut, t'es là. Ouais. Alors, Romo par le travers à gauche. Aérodrome, on l'a dépassé. À quel moment on peut monter à 2500?
À quel moment? Alors attends, bon, encore un petit peu. Deux minutes. Ouais. En gros, quand on aura passé la Verté-Sougeoire, on pourra monter. Verté-Sougeoire étant les grands bâtiments qu'on voit là-bas à droite. Ouais. Après, la rigueur, si t'as envie, après Château-Thierry, on peut grimper encore un peu. Hein. Ok, on verra, ça dépend de là, mais là, il y a les ascendances qui sont posées, non? Ah, donc là, je redescends un peu. En fait, la zone de TMA, la nôtre, elle est délimitée par l'intersection entre l'autoroute, la rivière et le rail qui passe en dessous. Là. On a dépassé ce point-là, on est vertical des 1500 pieds, on peut grimper 2000. Novembre Lima identifié. Reçu Novembre Lima et on monte à 2500 pieds Novembre Lima. 2005 à votre convenance. Ah ouais, effectivement, dis donc. Pas là. Donc la Ferté-Sougeoire par le travers à droite. Passer la Marne. Paris de Charlie Oscar, on aimerait passer temporairement avec Coulommiers 122-2 en maintenant de transpondeur, si vous êtes d'accord, puis revenir avec vous juste après. A de suite Charlie Oscar. A de suite. Donc là, Ferté-Sougeoire à droite. Dans le Cibu, Jean-Luc, il va falloir mettre des odeurs de kérosène de carburant. C'était la réflexion que j'étais en train de me faire. Une bonne odeur là. Ben là, c'est quand on fait les pleins dans ces cas-là et qu'il fait peu comme ça, on y a droit. Alors, on shoot un petit peu au Kéro, les gars, ça va faire du bien. Sauf toi, Yohan, t'as pas le droit. Je crois qu'il y a même temps. Ballot de paille là-dessous, là. Pas la saison pour se poser dans les champs. À droite, là, c'est bon, là. Ah, et puis ils doivent être bien secs en plus. Ouais. Ah, faut vider les champs avec les ballots de paille en bout de circuit, tu sais. Ça sert bien pour s'arrêter dedans. Paris Info de Fox Echo X-Ray pour monter à 2000 pieds. Oui, c'est marrant, 1000 pieds seulement et ça fait une petite différence déjà. Ouais, visuellement, oui. Qui veut monter à 2000 ça fait 300 mètres. Hein. X-Ray. Echo X-Ray à 2000 à votre commande. Alors, Fox Echo X-Ray, je monte à 2000. Je pars par là. Château Thierry. Ça va, ça bouge un peu mais... Ouais, ben ça va. Ça va. De toute façon, avec la chaleur, je m'attendais à ça. Hein. Ouais.
là, je me rends compte que pour la caméra, l'éclairage à droite avec tous les reflets qu'il y a dans la vitre, pas chance sur 10 pour que ça soit bien désigné. Ah, regarde par là. Et pour ça, dans un avion, il faut 5 caméras. Ah. Ah, Jean-Luc, c'est un bon... Ouais, enfin, toi, s'il y avait la place, il y en aurait 10. Oh non, je suis raisonnable quand même, 5, ça fait... À droite, une à gauche, une sur la tête, une au centre. Ça fait 4 déjà. Et une à l'intérieur, ça fait 5. Marianne Faux de Charlie Oscar, de retour sur la fréquence. On s'établit à 1500. On connaît là, Yoann. Ouais. Reçu Charlie Oscar. Il y a des pics dans les champs là. Il y a un truc en plein milieu. Quoi ? Un petit message au copain. Ouais. Sympa, merci. Comment ça fait qu'on est sur les 105 nœuds là? Non, ça. Ouais. Un peu plus, là, 510. Ouais. Sur du 110-115. Ouais, mais vitesse folle, là, on a 118. Ouais. Ouais, mais on devrait être sur du 115, hein. Ouais, ouais, voilà, comme ça, là. Ah, je suis un peu en haut, je descends un peu, mais ouais. Ça me l'a fait le bout déjà des fois. J'arrivais pas à le stabiliser sur la vitesse en fait. J'avais une bonne vitesse constante, mais c'était pas celle que... Exactement, quoi. Alors à droite, nous avons quoi, Jean-Luc? Droite, nous avons à droite? Ouais, la ville, là. Aucune idée. On y était passé ensemble, en revenant de Soissons. Oui. Château Thierry. Ah d'accord. Ça n'a rien produit, Fox Social, bien petit, Fox Social, bonjour. Fox Social, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Social, un Viper avec deux personnes à bord. On est en provenance de Deauville à destination de Merville. On est stable, 2500 pieds. 70-12. Vache. 70-12, Fox Social. Affirme, 70-12, bien noté. 70-12, merci. Il m'a pas dit celui-là. Il y avait un avion juste en dessous là. Ah bon? 500 pieds. Même pas avancé? Ah ouais. Alors là, c'est pas obligatoire, hein. Ah non, effectivement. De toute façon, s'il voit qu'il n'y a pas de problème, il le dit pas à la rigueur. Mais ça fait bizarre. Non, s'il n'a pas de transpondeur, il n'a pas de contact, il va pas lui dire, c'est pas obligatoire. Je vous écoute, ça fait Charlie. Station à plan. Qui appelle Paris Information? Fox Charlie, identifié. Tiens, c'est cher alors, Fox Charlie. Alors, ce que je comprends pas, c'est que je vois pas le terrain. Paris de Fox, Charlie, bonjour. Ouais. Ah oui, d'accord, ça y est, ouais. Fox Mike Charlie, Paris Information, bonjour. De toute façon, il était dans le circuit, c'est Mike Charlie, un PA28, deux personnes à bord, en provenance d'Arcachon, en direction de Logne. Je viens d'être lâché par Poitiers et je vole au niveau 7-5. 70-20. 70-20, transpondeur à Mike Charlie, merci. Paris Info de Oscar Oscar Mike Delta Fox Foxtrot, bonjour. Station à plan, bonjour. Oscar Oscar Mike Delta Fox Foxtrot, Cessna 172, deux personnes à bord. Je viens de décoller de Péronne, nous sommes en direction de Saint-Fontaine en Belgique.
Est-ce que vous voulez bien activer notre plan de vol? Alors, le vol de pour le décollage Péronne, c'était quelle heure? Essayez de voir parce que l'autre fois, je n'avais pas capté. Active pour 11h36. Vous pouvez afficher 70-21. 70-21, merci beaucoup, Oscar Delta Fox. Paris 2, Charlie Oscar, je passe temporairement avec le PC, je reviens avec vous juste après. A tout de suite, Charlie Oscar. Charlie Oscar. Paris Info de Fox Echo X-Ray, est-ce qu'il faut que je passe sur 126-10 ou est-ce que je reste avec vous? Vous allez passer avec Seine sur 134.3. Je passe avec Seine sur 134.3 de Fox Echo X-Ray. Paris Info, Tosca Mike Delta Fox, transpondeur 7026. 702 unités. 702 unités, merci. Un virage. Mike Charlie, identifié. Paris Info, bonjour, Lima X-Ray, Alpha, India, Foxbot. Alors, droit devant, droit devant. Delta Fox. Ça va ? Il y a le carré un peu vert, le grand. Ouais. Derrière, sur son coin, il y a un deuxième carré vert, un petit... Ah oui, ça y est, c'est mieux. Ça fait une forte triomphe comme ça derrière, puis il y a un grand carré vert. Voilà, Lille, 134-825. Donc en fait, il est à la croisée de l'autoroute et du chemin de fer. Je contacte Lille, merci beaucoup. Lima X-Ray, Alpha India Bravo, bonjour. C'était quoi ça? Oiseau. Alors, bonjour, monsieur, c'est Lima X-Ray Alpha India Foxtrot. Oh ben voilà, je découvre le vent de Châtillon. Je ne me rappelais pas l'avoir déjà vu. Lima X-Ray Alpha India Bravo India Foxtrot 70-21. Droit de Jean-Luc, il y a un espèce de petit château derrière le village. 70-21 Lima India Foxtrot. Avec la Genèse. Est-ce que vous souhaitez que l'on active votre plan de vol India Fox? Oui, c'est ce que j'allais vous demander, India Fox. Merci beaucoup. Quelle heure le décollage de l'an? Il y a 4 minutes. J'active 11h38. Merci. Paris Info de Fox Echo X-Ray, je confirme que je passe avec Seine Info et je transforme 7000. C'est bien cela, 134.3. Au revoir. Au revoir et merci pour le service. Je vous en prie. Quand on passe sur une route 059, quasiment aucun changement. Dans les 2500 pieds avec un plafond 7500, j'ai pas de plancher. Je remonte à 3000 pieds Fox Novembre Lima. 3000 à votre convenance, Novembre Lima. Merci, Novembre Lima. Bon, là on arrive dans la zone terrain incognita pour moi. T'as pas l'habitude. Le bord de Châtillon. Charles Yankee, bonjour. Oui. Père. En fait, on reste juste à gauche de l'autoroute dans le pire des cas. On attend Jante à nouveau. Et après, on s'éloignera légèrement sur sa gauche, en fait. Par à droite. On arrivera au nord de Reims. 70-01. On distingue un peu là-bas, je pense. Alors, si vous pouviez faire le relais uniforme Golf qui passe en 7000 car il a affiché 76 00, il faudrait qu'il corrige son transpondeur uniforme Golf.
Température extérieure 20 degrés, on se sent mieux. Hein. Quand tu montes, tu essaies de maintenir le 102, c'est ça? Il disait quoi, Jean-Luc? Et quand tu montes, tu essaies de maintenir le 102 en vitesse? Normalement, beaucoup moins, mais là, je monte, j'ai que 500. C'est que 500. Je vous remercie beaucoup, donc, pour le relais. Oui, je sais, c'est rapide. D'accord. La vitesse de montée normale, c'est 89. D'accord. Vous pouvez répéter pour une info, s'il vous plaît? Vous êtes identifié. Merci beaucoup. Celle qui permet de monter le plus rapidement possible. Assurer le meilleur refroidissement du moteur. Ouais, bien sûr. Ah, il fait 20. Et là, on atteint les 115, c'est bien. On a 130 en blanc de speed. Donc, il y a un petit courant d'air qui nous fout dans le cul. Ouais, 5-9. Ok, on voit ça, Charles, n'importe quoi. Orléans, ouais, bien sûr. Mars. Donc Jean-Luc, on ne descend pas dans les plaines de Champagne pour savourer une pâte d'hiver. Ah, tu sais que je suis un garçon sérieux. Eh oui, je sais. Info de Charlie Oscar, de retour sur la fréquence. Reçu Charlie Oscar. N'empêche, les militaires quand ils sautent, la plus basse altitude, c'est combien? C'est 300 mètres? 750 mètres. 750 mètres? En lâcher avec ouverture automatique. Ah, bref, ça fait plus haut que là alors. Ça me rassure. Hôtel Yankee identifié. Là, le parachute, s'il n'est pas déjà ouvert, c'est dommage. Hein. Ah, bah là, oui. Allez, non. Paris November 367 Charlie Delta, bonjour. Paris November 367 Charlie Delta, bonjour. Station appelant Paris Information, bonjour, je vous écoute. 377 France, là, Johan. Un SR. Bon, tous les copains de Vat France hein, pendant Bravo, premier. Sierra ouais. Golf. Il n'y aura plus qu'à leur proposer ce vol-là. Destination de Lima, India, Delta, Papa. J'ai quitté l'île. Est-ce qu'il y a de l'Europe, même pas 7000 autres fondeurs. Ouais, je pense que c'est un peu vers Charlemagne. Station appelant, retournez-moi votre matriculation. Je vous reçois 2 sur 5. Ils volent plutôt bien avec tout le monde qui est à bord. Hein. Ouais, ouais. Station à plein, redonnez-moi votre immatriculation, je vous reçois 2 sur 5. En fait, le truc, il est assez sensible aux accélérations. J'avais remarqué pendant un vol précédent, là. Alors, c'était quand même pas mal fait tabasser. Ah bah oui, c'était quand on avait été à... On avait volé avec November 3777, Charlie Delta, 70-16. 70-16, je fais gaffe parce que là c'est un port la bordure de la vie, tu sais, machin là. On a là. En fait ça fait une espèce de gros Vitonio comme ça. Et on passe à gauche, on va respecter. Charlie Delta demande si possible est monté au niveau 9-5. Alors pour l'instant ce sera le niveau 85 maximum. Je monte au niveau 5. Légèrement vallonné, hein. Fast information, bonjour, Golf Golf, Oscar Sierra Lima. Golf Golf, Oscar Sierra Lima, quel est votre départ destination? Say again, for Sierra Lima. Departure destination, Golf Golf, Oscar Sierra Lima. Destination is Gayak, Lima Fox, Delta Golf. We are about 15 miles to the south of Tour. This time 5,000 feet, 1017. 7002. Say again, is that the score? 7002. 7002 coming up.
Mike Sierra. SEN 11805. La visu elle est correcte, mais c'est pas merveilleux. SEN information. Golf Oscar Sierra Lima. Ahead. Poitiers, 124, décimal 0, bye. Alors le Sierra il est où là? Paris Info du Fox Hotel Sierra Lima, bonjour. Fox, bravo Fox, bonjour. Fox Papa, bonjour. Ici radio interne, non c'est bon ça passe. On entend mieux sur l'audio que dans le réel. 70-10. Fox Charlie. Alors, la cathédrale, elle est où? Fox Charlie, les côtes. Lille 120-27. Au revoir. Lille 120-27, au revoir, merci monsieur. Ah, Jean-Luc, je vais essayer de faire une photo quand même. Point d'être top. Bon, on va essayer. Fox Hotel Sierra Alpha Golf Paris Information, bonjour. Fox Alpha Golf, un PS28 avec une personne à bord en provenance de Logne à destination de l'éclairage là. En solo supervisé, je demande l'information de trafic. 70. Rien. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît Fox Alpha Golf? 70 7. Donc, ancien terrain. 72, Fox Alpha Golf. Voilà la cathédrale, ah ça y est on la voit, elle est là, elle est sombre. Devant le bout d'elle en fait. Paris de Charlie Oscar, j'approche de la destination finale, ah. J'aimerais donc changer de fréquence, s'il vous plaît, visitez. Quelle sera la cathédrale? Vous pouvez quitter, au revoir Charlie Oscar. Je la vois dans l'équipage, je l'ai pas vu. En fait elle est juste derrière l'aile pour toi, le bout d'elle, tu vas la voir dans l'axe. C'est un peu sombre, oui, ça se voit pas bien, donc. Ah c'est pas terrible. Hein. Ouais, mais la visie, elle est pas bonne. Hein. Elle est loin, tout proche, même en bout d'elle. Ouais, je la vois. Alpha Golf identifié. En fait, tu la vois parce qu'elle est sombre. Ouais. Là, c'est le terrain, tu vois, on va arriver sur le terrain. Il est utilisé. Tu crois qu'on peut se poser dessus? Ah non. Genre le mec qui a pas vu toutes les croix qu'il y a, tu sais. C'est dommage un terrain comme ça fermé. Ah oui, c'est ballot. Bon, tu me diras, ça doit servir pour les secours quand même. Hein. C'est une ancienne base militaire, ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit, regarde. Ouais. Ça va bien là, Yoann? Là, il y a même une espèce de radôme là. Ah ben, j'ai même pas vu en dessous là. C'est un tas de bâtiments encore. Ah là, il y en a du mètre carré inoccupé là. Ouais, c'est dommage. Tiens, il y a le vent là. REM. Oh, il est sous l'aile, tu peux pas le voir Jean-Luc. Alors on passe, il est 53. Donc l'autre terrain, il est quelque part en bout d'aile là-bas au sud. Alors on va le trouver dehors. La V5, t'as des effets de lumière comme ça avec les groupes Ouais, ça donne vachement mieux. Ça donne vachement mieux. Ah ouais, sur la V5, ouais. D'accord.
Non, un circuit juste en dessous, là, regarde. Il y en a qui tournent. Il y a un type qui tourne là-dedans. Ah, il y en a une, trois. C'est des motos, en fait. Ah, c'est des motos. On est dans les plaines de... Ah, c'est la Champagne encore maintenant là. Champagne Ardennes. Allez la Seine. Hein? Il faudrait aller les Seines. Ouais. Pour les voir sinon. Ouais. On voit rien. Ça sent pas mal. Tu les as celles-là? Champagne oui. Oui. Oui aussi. On va être là mardi soir? Non, 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 j'ai pas mes matériels. D'accord. Je suis pas chez moi en ce moment. Ok. Pas du côté d'Avignon. Avignon Gap. Ouais. Regarderai sur lui. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment, Jean-Luc, c'est vraiment l'éclairage qui fait toute la différence, après. Ah bah ouais, ça fait l'ambiance, hein. Ah oui d'accord, toi tu préfères avoir la vision globale en fait. Parce que à l'arrivée, ça m'a fiché le bouton pour faire le glide slope. Ouais. Pour l'atterrissage ça aide donc. Ah oui d'accord. Tu te rappelles la trajectoire d'arrivée après sur Charleville? Ah ouais. Bon, finalement on va arriver par là. Ouais c'est ça. En fait on va arriver comme ça après, par le nord. Ouais. Faire noter les infos là. Ah, on est arrivé pile à l'heure Lyon. On est parti pour 20 minutes, ça fait donc... 14h03 13. Donc le point étant test, hein, Charleville. Prendrai la carte 5 minutes avant. Ok. D'ailleurs même le caméscope aussi en principe. J'ai apporté pour ça donc dommage de pas m'en servir. On est à 30 minutes d'interview à peu près. Elle a eu trop chaud, elle s'est arrêtée. Ça va, pas trop gêné par les... Ça va, je fais avec. De toute façon, je peux pas descendre en vol, donc... Allô, allô, pour un essai radio. Allô, allô, ouais, c'est bon. Comment ça fait? Arrêtez la caméra, évidemment, je sais pas quand. J'ai pensé à la survie au début. Normal là, le cagnard allait passer du tout. Fox, bravo papa. Donc le Rethel en approche à droite, ça doit être la ville qui est là, tiens. LFAP. Bon, le premier qui trouve le terrain a gagné... je sais pas, mais a gagné quelque chose. Et devant ou derrière? Ah, devant, il est là, on est là, il est là. En bas à droite. Par là-bas. D'accord. La carte.
Alors, en fait, il est pile au sud de la ville. On va aller s'approcher. Alors. Et à droite de la route. Alors l'autoroute elle est là, le train il est là-bas, la ville elle est là. Bravo papa. Herbe ou dur? Herbe. Ah c'est plus compliqué. Eh ouais c'est pour ça que je disais, celui qui trouve il a gagné un truc. On déterminera en se posant. Pas de trafic. Normalement là, ça devrait être dans l'axe. Il y a des bâtiments là, mais c'est plutôt... non. Ça sens à droite de la route. Et avant la rivière, hein. Il doit être en dessous là. La vache! Je dirais un peu plus devant là, selon la carte. Ah, il est là. Non, c'est pas ce truc. Bah, si. Piste à gauche, là derrière les arbres. Ah, ça y est, visuel, ouais. T'as vu. Quand je tourne, je laisse sur la gauche, je pense qu'il y a la ville. Ça sera en gauche là. Attends encore une minute, on va le voir mieux. Ouais. C'est pas facile hein. Après oui il y a les chevrons qu'on voit, les chevrons c'est plus facile à voir les chevrons. Ouais. Après oui il y a, c'est gazonné, pas de bâtiment. Ouais. Au moins dans le nord. Un ou deux avions dehors. Ok. Info Fox, bravo papa, bonjour. Apprenez à 10 minutes vers le ville. Donc la tour de piste, c'est à 1500. Elle est de toute façon, ouais. Nous on va rester plutôt sur la droite. Hein. Oui. On va voir la ville, on va arriver, on va la tangenter par le, ah, par okay. Le sud-est, on va arriver comme ça pour l'enrouler. Donc dès qu'on a repéré la ville, on cherche le sud-est. Il y aura quasiment face à droite à 20 degrés je pense par rapport à l'axe qu'on a. T'avais réglé le vent ou pas alors? Oui. 335. Oui. Ouais. Voilà, je le mets 334.
Je vais régler la tour. Ouais, c'est 119 quelque chose, je crois, là. 126, décimal 8, 5. 126, hein. La décimal 8, 5. 126, décimal 8, 7, hein. 75. Non, négatif. Non, c'est pas ça. 8, 5. 5. 126. 126, hein. La décimal 8, 5. 8, 5, hein. Voilà. Et on n'entend plus du tout, hein, Paris Info, je le contacte. Paris Info, de Fox Novembre Lima pour SC Radio. Ah, tu vois, on a perdu la fréquence, on a besoin de basculer. Ouais. Tu bascules, s'il te plaît, pour l'équité sur l'autre fréquence, 125, décimal 7. 125, décimal 7, en l'an. Ouais. Bascule. Ouais, ça y est, c'est bon. Paris Info, de Fox Golf Novembre Novembre Lima. Novembre-Lima, je vous rappelle. Alpha Golf, allez-y. Alpha Golf, on voudrait passer avec Sen, s'il vous plaît. Sen, 120 décimales 325. Bonne journée, au revoir. Affichez 7000. Affichez 7000 et je passe avec Sen, 120 décimales 325. Donc, Alpha Golf, au revoir. Paris Info de Mike Delta Fox. Delta Fox, je vous rappelle. Mange l'appareil, je vais prendre le... Novembre-Lima. Novembre-Lima, EDR-400 en provenance de Lognes à destination Charleville. On a perdu votre collègue sur 126 décimal 1. On est sur le transpondeur 7-0, unité, unité pour information de vol. Reçu, je vous vois toujours en 70. Répétez s'il vous plaît, Novembre-Lima. Vous êtes toujours visible en 70-11 et vous êtes toujours avec Paris Information. Merci madame, on reste avec vous pour le moment. Delta Fox, allez-y. Et pour vous dire qu'on a visuel sur les installations, on vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Bonne après-midi, au revoir. Au revoir. Alors, hop, l'autoroute, elle est à droite, là. Bravo, papa, identifié. Donc si on peut se remonter 50 mètres. On va arriver par la droite de l'autoroute, hein, Yoann. Oui, c'est possible, on assurera notre séparation. Eh bien, on assure la séparation pour ce niveau 55, bon, top. En fait, je dis qu'à la droite, je suppose qu'à la droite. Ah ouais. Là, il y a un grand échangeur là-bas. Fox Hotel X-Ray, si vous me recevez, contactez SEN 118 décimal 05 et affichez 7000. Au revoir. Donc si tu t'alignes sur l'autoroute là, ouais. Ça nous fait arriver pile poil dans l'axe de l'autoroute sur Charleville-Mézières. Elle est où l'autoroute? Sachant que Charleville-Mézières est là-bas. Ouais. Elle est légèrement à ta droite. Attends, 14h. Elle est là à droite en fait. Ok, je vois l'autoroute. Ok, donc on est vraiment bravo papa, vous avez l'activité des routes de 340. Donc si je suis les deux chemins de fer qui amènent à l'autoroute, ça y est, on est c'est exactement où on est, pile poil. Ah, vous avez dit en 214. Donc si tu fais avec l'autoroute à ta gauche, tu la maintiens sur ta gauche, tu tombes quasiment le vent volet. Il faudra s'en décaler d'un demi nautique. Le 114 alpha et bravo, toutes les 114 non actives. Merci beaucoup, bravo papa. Arrivé dans 4-5 minutes. Ouais. Tu remets la fréquence, s'il te plaît. Ça y est, 126-85 est vrai. Fox Golf Novembre Lima, si vous me recevez, il y a du parachutisme à Charleville-Mézières. Le parachuteur est en l'air. Reçu pour le parachutisme. On va faire un tour local autour de la ville avant de revenir sur les terrains. On reste avec vous pour le moment. Bien reçu, je crois qu'il est en train de redescendre, là il est au niveau 130, donc il a peut-être déjà fait son largage. Ok, merci. On reste un peu loin pour le terrain pour le moment. Oh, j'ai mis
C'est bien moniteur 126-85. Ok. Donc le terrain est sur le par la gauche, ça va. Maxima, je vais vous appeler, vous proposez de passer avec Clermont, c'est comme ça que vous appelez? Je passe sur Clermont 126-75. Si vous passez Clermont 126-75. Donc la route à prendre, ça sera du 048 tout à l'heure quand je te le lirai. Et au revoir. Et en fait, nous, tu vois les espèces d'étangs qui sont là, ouais. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Donc on va faire ça et on visera les étangs. Et on verra si ça colle, mais a priori c'est ça. Ça correspond à ce que je vois sur la carte. Ouais. Là. Alors l'autoroute, la voie de chemin de fer qui passe l'un en dessous de l'autre, ok, on est pile poil ici. Dans les 30-40 secondes, tu te mets en 0,48 ou 0,50. Et on devrait voir les trucs dans l'axe. 48. Voilà. Oh. Ok. Il faut trouver l'avion de les parachutes. Si vous voyez quelque chose. De toute façon, on va être bien au nord, donc on risquera pas de les rencontrer. Et c'est quand on sera sur le retour sur le lac qu'on faire attention. Enfin. Donc devant le point de repère avec les étangs. On est sur des 0,55, on est quasiment dans l'axe, donc c'est bon. Donc ça veut dire qu'en fait, on va prendre à gauche. Bravo, c'est en ligne en base. Ça sera du 350 pendant 2 minutes. Donc on va viser les forêts qui sont là-bas et on va enrouler comme ça derrière autour de toutes les forêts. Un honneur de la ville. T'avais mis la sécurité sur le 335 avant? Ouais. Allez, nickel. Bon, on est arrivé, on est bien, juste à 29. Ok, on arrive à l'heure. On va déjà essayer de repérer, tiens, regarde, le terrain, il est là-bas, je crois. Tu vois, il y a une espèce de grande herbe là-bas, de ouais. Grande zone. Ouais, c'est là-bas. Peut-être pas que ça doit être ça. Ça a l'air d'être ça. Ouais, ça paraît probable. Donc en fait, faut viser, il y a toi l'espèce de grand machin tout blanc dégueulasse là qu'il y a. Ouais. Et le terrain, il est juste au nord de ce truc là. Okay. Donc quand on verra le truc blanc, on se rapproche du terrain. Ok, donc ça ressemble au lac. Donc Charleville-Mézières, bonjour. Hôtel X-Ray. Paris Info, Foxtrot Juliet, Foxtrot November Lima. X-Ray, si vous me recevez, contactez SEM 108-05 et affichez 7000, au revoir. Est-ce que c'est un message pour le Hôtel Yankee? Je quitte. J'avais mal lu l'écriture de votre collègue, donc c'est Hôtel Yankee depuis le début. Un grand dégueulasseur de... Hôtel Yankee, bon, passé avec SEM 118, décimal 05. Très bien, madame, donc 118-07 sur SANINFO et bon après-midi, Hôtel Yankee. Bon après-midi, au revoir. Je descends à 2500 pieds, d'accord. Donc là, tu cherches maintenant sur le PT1, tu cherches du 347. Nautique, pardon, dites-moi, redis. 347. Paris de Saint-Thomas, Victor, bonjour. Un PA-26 Fox Golf India Romeo Victor en provenance de La Rochelle à destination de Logne et Lima Fox Papa Lima. Trois personnes à bord, on vient de quitter les zones de Poitiers à 2800 PQNH. Romeo Victor affiché 70 10 7 0 unité 0. 0 unité 0 Fox Romeo Victor, merci. Donc voilà.
vois la ligne de tension, tu la laisses sur ta gauche. Ok. C'est plus ou moins parallèle, mais sur ta gauche. Et on sera à peu près sur la trajectoire qu'on veut. Et sachant que les villes qui sont en dessous, c'est des jaunes, hein, c'est des 3 villes, 3. Et on est dans l'axe de piste. Ah ouais, visuel sur l'axe de piste, effectivement. Donc c'était bien ça. Bien vu Jean-Luc. Tour de piste, c'est de côté nord, c'est par là. Ouais. Bah c'est ça. Donc là, c'est ça, 29, ça sera main droite. Ouais. Premier Victor, vous êtes identifié. C'est parti, c'est parti. Donc en fait, tu peux même te mettre à droite, là, sur la forêt pour avoir le... Non, pas que, ouais. Bon, je te laisse ça. Ouais, non, tu me laisses la rivière, ouais, s'il te plaît. Oh, mais c'est bien joli, hein. Je descends à 2300. D'accord. Pas de visuel sur des appareils, sur des trucs qui tombent. Je dirais, c'est vraiment pas gros, donc... Appareil info, de novembre Lima, est-ce que vous voyez toujours la parachute, les parachutes? Parachute est redescendue, je ne vois plus. Vous, je ne vous visualise plus non plus au radar. Ah, d'accord, on est à 2300 pieds, donc je vous quitte et je contacte Charleville. Rassurez, plus c'est que Charleville est quitté, affiché 7000, au revoir. 7000, au revoir. Ok, 7000 affichés, t'es avec Charleville. Voilà, maintenant par là-bas, le grand lac là-bas. On va jusqu'au lac? Ouais, jusqu'au grand lac là. Regardez bien s'il y a un trafic. Ouais, ou parachute. De toute façon, les parachutes, ils sont à gauche. Ouais. C'est pour ça, si on reste ici sur la partie droite, à la rigueur, tiens, tu vois, regarde la ville, là, tu peux aller naviguer au-dessus, là-bas, suivre le cheminon jusqu'au lac. Toi, tu fais ça, on s'éloigne du terrain, on est nickel. En ayant un œil sur celui-ci, ça sera bon. Ok, on a une bonne altitude, là, c'est bien. Donc c'est bien comme on le voit sur la carte, hein, c'est bien vallonné. Hein. À la rigueur, c'est ce qu'on fera. On ira là-bas, on tournera autour du lac et on reviendra comme ça et on cherchera la perpendiculaire. Pendant 10 minutes à peu près, c'est ça, on sera là. Paris, de Fox Bravo X-ray Zulu Papa, bonjour. Fox Bravo X-ray Zulu Papa, Paris Information, bonjour. Zulu Papa, nous sommes à 7h30 à bord. Comment préparer un poids sur cette fréquence? C'est ça, laissez les frontières à droite. Ouais. Pas mal. Ok, donc tu vois, on arrive, on est à la base du lac, on est là, voilà. T'appelles comment c'est le lac? Alors ça c'était le deuxième, ça c'était le PT3 en fait, tu vois. Alors, je passerai un message, je vois s'il y a quelqu'un sur la fréquence. Ouais. Charleville de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Charleville de Fox Golf, novembre Lima, EDR 403 personnes à bord. En provenance de Lognes à destination de vos installations, on fait un petit tour au nord de terrain. On vous rappelle à la verticale dans 5 minutes à peu près. S'il y a quelqu'un sur la fréquence, pourrait nous dire la piste en service, s'il vous plaît, à Charleville. Okay.
Là, il y a un barrage là, tiens. On fait une boucle sur la... Ouais, tu vas virer, on veut juste avoir le barrage à droite sous la caméra, enfin okay. Sous la... Après, tu vires et tu te mets la ville à ta gauche. Okay. Quel okay, vas-y, va virer. Ouais, c'est un petit barrage. Continue la boucle, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Ça fait 30 degrés. Ça va, Jean-Luc? Ah ouais, pas de soucis. Belle vue. Donc là, le tour de piste, il annonce à 1000 mètres, 1000 pieds, 500. 500 par les avions, 1500. Ah oui, 1500, ouais. Je me disais, tiens, ça fait bas, hein. Ça fait donc 1000 pistoles, ok. Bon, on peut faire ça. Charleville de Fox Golf, novembre Lima, le Robin DA400 vient de Nord, et on rappelle à la verticale 2000 pieds QNH. Drailler là-bas. Ouais. Charleville de novembre Lima à 2 minutes de la verticale, on a UGN sur le terrain. Donc la biroute elle est côté des parkings sur la droite, c'est-à-dire à notre opposé de nous. Ok, je situe, ça se trouve. La route elle est là. Le terrain il est là. Il n'est pas contrôlé là-bas, hein. Non, ouais c'est ça, c'est celui qui est devant nous là. Ouais. Donc là tu peux arriver comme ça, bang, en visant en fait la zone de parking à côté de la biroute. En fait, toi tu vises les parkings, tu les mets sur ta gauche et tu auras la biroute à ta gauche. Hop. Donc la préférentielle c'est la 11 comme ça. Oui, mais le vent il est complètement contre ça, donc on va atterrir dans cette direction là. Okay. Donc c'est 29. Ouais, c'est ça. Donc on attend d'avoir la confirmation, mais a priori ouais. Donc la minute de l'éloignement je le ferai dans 290. Ouais. Ok, il n'y a pas de zone sensible signalée autour du terrain, des patelins, ceux-là ils sont pas considérés comme sensibles. Donc on voit l'air où il y a la biroute en principe, elle est à gauche avec le petit carré je pense. Je ne vois pas de trafic. Charleville de novembre Lima à la verticale 2000. À la rigueur, toi, la ville, je crois, en train de survoler. Non, je pense c'est un peu plus après le carré, dans le truc vers le rond. Ouais, ouais. Ah bah tiens, la biroute, elle est à gauche du carré là-bas. Ouais, je crois qu'on va aller là-bas. On dirait que ça vient de la droite, effectivement. Et que ça vient de la droite, là. Ouais, c'est ça.
Ouais, donc Capit 29. Okay, 29 en service. Ok, bien vu. Charleville de Novembre-Lima, à la verticale de terrain 2000 pieds. Je rappellerai dans 2 minutes, début de vente arrière, 29 main droite. À droite, ouais, j'ai pas. C'est pas demi-tour là. Comment? Oui, je vais faire demi-tour. Ah oui, d'accord. Ah, ok, tu repasses par la verticale. Oui, je repasse. D'accord. Ouais, effectivement, t'as raison. Hop là. Elle arrête pas de baisser alors. Quoi? Et elle arrête pas de chuter elle. Ah oui, donc elle est non constante alors. Allez, Johan. Tot. Olé. Belle vue sur le terrain. Charleville de Novembre-Lima, toujours à la verticale 2000 pieds. Je fais mon éloignement d'une minute, je rappelle les deux vents arrière, piste 29, main droite pour en complet. Tour de piste est par la droite. Hein. C'est ça, voilà. Donc, là, encore un peu. Donc tu enrouleras le patelin, tu mettras bien à ta droite, pour être à la bonne distance du terrain. Charleville-Mézières, ça ressemble bien à Charleville-Mézières. Donc, top, top. Une minute. Sud à 1500. C'est ça. Elle fonctionne toujours là-haut? Hein? Prends ma caméra à moi, là. Je vois rien d'allumé. Tu vois rien d'allumé? Non. Merde. Normalement, il devrait y avoir la lumière rouge, non? Ouais, qui clignote, ouais. Bah non. Ah merde. Ah, c'est bon. Ok, traversier. On est sur du 110 en gros. Charleville de Novembre-Lima, début vent arrière à main droite, piste 29 pour rencontrer.
pense qu'en roulant le truc qui est en dessous, là, ça doit être bon, là. Après la... Ouais, juste après la craque. Ou juste dessus, c'est comme tu veux. Là, on est assez proche, hein, donc... Ouais, non, pas avant, après. On a appuyé à Charleville qui est là, donc... hop. Ok, allez, vas-y. Charleville tourne en étape de passe de 29. Novembre. En finale pour accomplir le 29 novembre. Pardon. En fait, il est pas à travers là. Pendant que j'ai relâché, j'avais le manche dans le vent et quand j'ai relâché un peu, il a pris. Ah, j'ai pas mis assez de manche. On voit le Pilatus. Je pense qu'il faudra faire quelques petites photos pour Philippot, là. Les installations vont l'intéresser. Ah. Ouais. La piste... Pourquoi il tourne? Il tourne vachement à droite. La piste 29 dégagée, non, entre les mains. Et je relève au parking aviation générale. Voilà, c'est volé. Pourquoi top. Par cela, compensateur. Et roule, réchauffe radio. Je roule la parking aviation générale novembre Lima. Ça, je suis bon ou pas bon? Bah écoute, ça me paraît d'être bien là. C'est loin de la ligne devant là. On est au niveau du chiffre qui est à droite là. Ouais. Je pense que c'est bon. Je quitte la fréquence novembre Lima Charleville. Merci. Donc ça, ça, c'est bon. Et
et il est 35. Et bienvenue à Charleville. Ouvre-le un petit peu, enfin ferme-le. Ah, pardon. On va arrêter ça. Voilà. On arrête ça. Merde, c'est pas celui-là. Donc là, au retour, toi, dès la croisière, tu tires à ouais. La terrette et t'as 1h30 de plus. Ça va être bon. Nickel. Ah, ça fait du bien, dis donc, un peu de courant d'air. Ouais, parce qu'il fait chaud.